元気ですか？おはよう。Comment ça va? Salut le Brox! Comment vas-tu? Bon, je pense que pour l'instant c'est un petit tête-à-tête! Je ne crois pas qu'il y ait d'autres mondes. Petit post Instagram. Ça va, je bosse aujourd'hui. Ah, trop cool. T'as pu mettre le live en fond. Secondes, je fais vite fait là la petite story. Et voilà, c'est ça. Cool. T'as vu mes stories hier? J'ai fait un melon pan. Regarde-moi ça, c'est pas trop beau. Ah, coucou Tic Tac, je suis seul viveur. Bah non, il y a Tic Tac maintenant. Mais j'ai tellement pas l'habitude de prendre des petits déj le matin que bah j'ai réussi à en manger que la moitié. Je suis calée. Et honnêtement, si tu vas à Aki sur Paris, ils font le double de ceux de Aki. Mais regarde-moi ça. Une jolie mie. C'est trop bon. Par contre, la pâte à cookies au-dessus, je l'ai fait un peu trop fine parce que j'avais pas assez de pâte à cookies pour tous les melon pan, pour toutes les brioches. Donc la prochaine fois, il faudra que je fasse des plus grosses quantités de pâte à cookies. Tu as la recette? Alors la recette, j'ai trouvé sur YouTube. C'est... J'ai oublié le nom. Tata, un goût de cuisine. Attends, j'ai trop trouvé ça vite fait. Fast Good Cuisine. C'est lui. Est-ce que tu peux te mettre à jour la mise au point? Non, non, jamais. Voilà. Fast Good Cuisine. Donc c'est plutôt bien. Par contre, il faut penser à faire la pâte à cookies la veille. Lui, il conseille de la laisser seulement 2 heures au frigo. Non, même pas. 45 minutes au frigo. Quand j'ai voulu l'ouvrir, la pâte à cookies restait... Parce qu'en fait, tu le mets dans un papier plastique. Et quand tu veux l'ouvrir, bah, le truc, il reste collé. Et je suis en mode... Non. Donc j'ai dû racheter plein de farine dessus. Je fais bon, bah, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Surtout qu'en plus, j'ai commencé à faire la pâte... À brioche et j'ai lu 300 grammes de farine, je mets 300 grammes, j'ai lu lait dans ma tête, j'ai vu 300 grammes, je mets 300 grammes et là je regarde, je commence à pétrir et je suis dans mon thermomix et je fais bah pourquoi c'est liquide et en fait c'était 200 grammes de lait. Yes, on était content, on était heureux. Donc j'ai une tonne de farine en plus, donc c'est pour ça que j'ai autant de pâtes à melon pan. Je pense que j'aurais dû en faire que 4 normalement, j'en ai fait 6 au final. Ça s'est pas su les instructions. Non mais oui, j'ai pas d'excuses, hein, clairement, j'ai absolument pas d'excuses. Enfin bref, on se le met de côté si jamais on a faim pendant le live. Hop. Bon, j'ai réparé mon erreur aussi de la dernière fois. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai passé 2 heures en live à coller des petites languettes là. Alors que c'était de ce côté qu'il fallait les coller. Donc j'ai passé 2 heures hors live pour tout réparer, réparer toutes mes conneries. J'étais contente. Ah, j'étais heureuse. Voilà, voilà. Mais au moins maintenant c'est fait. Le Thermomix, ça fait pas tout. Non, ça fait pas tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas une recette melon pan Thermomix. Mais vraiment que avec le Thermomix, ça aurait été trop cool. Parce que moi maintenant je ne jure que par ça. Mais voilà, c'est génial. Ouais, j'ai vu en story. Nice. Donc voilà. Donc c'était bien. On est content. Trop cher le Thermomix.
Ah oui, c'est cher, mais je me suis offert, enfin, je me suis, pardon, on s'est offert ça avec l'argent qu'on a touché pendant notre mariage. C'est ma grand-mère et ma belle-mère qui nous ont fait des chèques pour pouvoir s'acheter le Thermomix. Et oui, j'aurais jamais acheté le Thermomix en dehors de ça. Mais aujourd'hui, maintenant que je l'ai, je suis en mode. Ah, je ne mange plus du tout de nourriture industrialisée. C'est-à-dire que je n'achète plus je sais rien, de roulé au fromage, de croque-monsieur, de crêpes toutes faites. Je fais tout moi-même maintenant. C'est trop bien. Ça manque un peu de lumière de ce côté-là. C'est un peu plus lumineux. Je suis jeune. C'est pas grave. Enfin bref. On va commencer. Alors on va essayer de pas renverser la tasse. Moi, l'argent que j'ai reçu à notre mariage, c'était pendant notre voyage au Japon. Bah, à l'origine, moi aussi, enfin nous aussi, on n'a pas pu partir au Japon. Donc pour l'instant, on sait pas quand est-ce qu'on pourra faire notre voyage de noces. Okinawa me paraît très 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 ouf, loin. Je. Voilà. À l'origine, c'était pour ça. Mais comme on n'a pas pu s'offrir ce voyage, on a fait, bon bah, Thermomix! Un Thermomix, c'est presque un billet d'avion, enfin deux billets d'avion. C'est combien? C'est 1300 euros. Donc en fonction, ouais, ça dépend si tu prends un aller avec des escales ou pas, mais tu peux te faire deux billets d'avion pour 1300 euros. Oui, et quand je te dis un vol, c'est un aller-retour, hein, je compte toujours aller-retour. Après, Okinawa, c'est un peu plus cher parce que tu dois arriver à Tokyo et ensuite partir à Okinawa. Bon, enfin bref, on peut discuter tout en lançant le live. Petit contour, tu vas apparaître ou tu ne vas pas. Ouais, apparaître. Ok. Yeah. Sens. On est pas mal là. Enfin bref, donc ouais, dans Okinawa c'est un peu plus cher pour y aller. Mais on a bien envie. À l'origine, on avait prévu de se faire. De y aller 3 semaines à peu près. Et se faire une semaine dans un hôtel resort style. Il y avait quoi? Club Med. Et. Qui est pas donné. Et ensuite, on avait prévu de se faire un voyage type basique, entre guillemets, dans des petites chambres d'hôtel. On voulait quand même une chambre où on est en mode pendant une semaine, on se repose, quoi. C'est le principe aussi un peu d'un voyage de noces. Alors, on va ouvrir les instructions, hein, parce que je vais me faire engueuler encore par Mister Ditty. Parce qu'il fait, j'ai fait des instructions, c'est pour être lu. Et il a tout à fait raison. Mais voilà, c'est moi qui ne lis pas. C'est moi, une fois qui doit assembler les choses, me dit, hey, il y a un souci quelque part là, non? Voilà. Alors, blablabla. Oh, en fait, je suis dégoûtée. Big Japan, elle a fait des émotes pour la chaîne. Et je les ai ajoutées hier après-midi. Et elles ont toujours pas été acceptées. Donc j'ai 6 émotes en attente. Je suis trop dégoûtée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais honnêtement, je pense qu'on va pouvoir le finir aujourd'hui, hein. Alors je sais pas à quelle vitesse je vais aller. Pardon. Mais je crois en mes capacités de pouvoir finir aujourd'hui. Et donc jeudi, je ne sais pas trop ce qu'on fera. Ça va être un petit peu compliqué. Hop, on monte les manches parce que ça me saoule. C'est comme hier, j'ai cuisiné avec un pull à manches longues, j'en pouvais plus. Le truc, il est. Comme ça, j'avais de la farine partout sur les doigts, j'étais en mode. Ah, j'en ai marre. Bref, bon, 3, on en est au 3. Le 3, il se colle sur le côté. Donc le bas, comme ça. 28 dans son set là, son set comme, ah, comme ça, pardon. Comme ça, donc normalement il y a, comment il est censé être, non, comme ça, ah non, comme ça. Alors moi, il est puzzle, hein. Donc 22, 23, 24, 25, 26. Ok, c'est bon, j'ai tout.
On va les ouvrir au fur et à mesure. Hein. Ah, parce que je ne l'ai pas encore plié celui-là. Ça. Alors, les petits tirets, c'est dans le sens de l'intérieur. Hop, et les petits pointillés dans le sens de l'extérieur. Nice. On a écrit en quel sens? Comme ça. Ok, je vais décoller. Ok, ok, c'est parti. Ah, ça colle les doigts. Ok, c'est parti. Faut bien le coller dessus. On est pas trop mal là, je crois. Ok, de toute façon, je peux pas le redécoller. Donc voilà. Bon, sinon, vous avez passé un bon week-end. Je pense qu'on va coller le 23 et le 24 en même. Non, je vais coller le 23 de tout seul. On va pas faire de conneries. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? Pas mal. T'as pu aller le premier Yobrox ou pas? Ok. Ok. 25 maintenant. En vrai, même si c'est un peu plus long de mettre du scotch, je pense que c'est quand même plus propre d'en mettre que de mettre de la colle. Après, si j'avais mis de la colle plutôt que du scotch, je ne me serais pas trompée pendant 2 heures comme ça, vu que j'aurais collé directement au fur et à mesure. Donc ouais, c'est why not. Tadam, une pièce de plus. Je me suis baladée avec mon fils et bu un café chez ma voisine qui m'a revendu des vêtements pour mon fils. Ah, c'est cool. Bah, t'as pu sortir un petit peu alors. Next 4. Il est comment? Il est comme ça. Ah, c'est la même chose de l'autre côté. Ok. Hop. Ouais, je peux pas plier maintenant. Et toi, Tic Tac, si t'es toujours là, t'as fait quoi ce week-end? Ok, donc là, pour l'instant, on cherche les chiffres 20, 19, 18, 17 et 16. Ok, c'est bien ça. J'ai un cheveu. Voilà. Et bon, on va commencer par le 20. J'ai mis de la colle sur du doré, c'est pas joli. Ensuite, le 19. Mais vous voyez rien en fait. Faut me le dire si vous voyez rien. Moi je suis tellement à fond dans mon truc que. J'en ai marre de cette mèche. Non, tu colles pas. Tu colles là, au moins je le dis. Voilà. Du scotch. Il
Il me faut de la colle. Faut que j'investisse dans une imprimante. Et je pense que grâce au don de monsieur Joe de la dernière fois, Joey, je pourrais investir là-dedans. Parce que je vais pas emprunter l'imprimante de mes voisins toutes les 5 minutes. Mais je sais pas quelle imprimante prendre. Je sais pas si. Il m'en faudrait une plus puissante, quoi, qui accepte les papiers de sang. Oh, putain, ça aussi c'est décollé. Ah, mais je viens de coller en fait, c'est juste qu'il faut appuyer dessus. 250 grammes. Parce que j'en ai un peu marre en fait de devoir imprimer à chaque fois dessus. Et à chaque fois, bah, ça se décolle un peu, quoi. C'est un peu relou. Ah non, il a mis de la colle là-dessus. Bah, nous, on a avancé dans la chambre d'amis, on a commencé à peindre, mais il y a encore quelques couches à faire. Ok, bah, de toute façon, c'est pas grave, hein. J'irai en Dordogne en mars, là, début mars. Et on verra pour se voir bah, plus tard. Ok, numéro 5. On va faire le nez. Pourquoi j'ai numéro 17? Qu'est-ce que tu fais là, numéro 17? Rien du tout. Sinon, on a fait un peu de rangement. On a profité du soleil. Nice. Le 5, il se met masse. Ici, ici et ici. Donc ça, ça se met d'un côté. Et ça, après, ça se met de l'autre côté comme ça. Tac. 33, 32... On va commencer par le 21, donc. Ah merde, 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 avant de le coller. Ah, j'ai encore... Fatigance. J'ai encore oublié de lui donner ses formes. Voilà. J'arrive pas à le coller comme je veux bien. Là, on devrait être pas trop mal. Ok, là on n'est pas trop mal. C'est cool, franchement, le collage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus amusant. Hein. Et c'est assez rapide à faire. C'est assez satisfaisant aussi de se dire que voilà, on a bien découpé, on a bien tout collé, même si on a fait la moitié du temps. Et enfin de voir à quoi ça ressemble. Par contre, voilà, ça c'est le genre de truc qui va me saouler. Ici, il y a le papier derrière qui est en train de se décoller. Et donc bah, ça décolle le reste de la structure et c'est un peu relou. On va essayer de faire la technique du je fous de la colle par-dessous avec un scalpel. Voilà. Nouvelle technique. En essayant de pas salir voilà, les bords. Yeah. Moi j'aurais pu être chirurgien. Pouloulou. La meuf elle met de la colle avec un scalpel, elle se prend pour une chirurgienne quoi. Easy. Voilà, on va rester comme ça 2-3 secondes, le temps que ça coule. Oh, que la colle colle. Par contre, mon scalpel,
On va pas que tu m'opères, je préfère un vrai pour... Ah, oh, tout de suite. Je pourrais mettre quelques morceaux de colle dans les trous, c'est bizarre. Elle est bizarre cette phrase. Oh non. C'est vrai, j'ai les ongles longs. Oh non. Je sais pas si vous allez voir de ce côté. J'ai les ongles longs, donc bah, j'ai mis des petites traces dedans. Oh non, mais fais le focus. Je déteste les caméras inversées. Vous voyez pas bien. Voilà, j'ai mis des traces d'ongles en appuyant fort. Tu travailles sur quoi en ce moment, Yobrox? T'es développeur, toi? Comme... si je dis pas de bêtises. Cette semaine, c'est maintenance applicative et correction de bugs en tout genre. Oui, tout à fait. T'es développeur toi aussi, Tic Tac, non? Moi, avec ce genre de métier, je ne connais pas tout. Ok, 5, ensuite 6. Regarde ses cheveux. Ok. On la met comment? Comme ça. Ça fait le dessous de mon visage. Comme ça et comme ça. Ok. On n'oublie pas de bien plier au début. Pourquoi toi t'es plié dans l'autre sens? Je ne sais pas, mais je reste plantée là. Oh merde! J'ai enlevé la mauvaise scotch. Je me disais pourquoi ça colle pas? Bah parce qu'il y a tes doigts dessus, grognasse. C'était les scotch de l'intérieur. Il faut pas enlever les scotch de l'intérieur. Je vous oublie encore. Tu es dur avec toi-même. Ah ouais, je sais même pas ce que j'ai dit. Je dis tellement plein de conneries sur moi-même, bien souvent. Bon, on parle pas beaucoup. Tu as dit grognasse. Ah oui, bon, ça je dis souvent. Si vous avez des idées
Oh non, ça c'est pas bien collé, c'est pas joli, c'est trop décalé. Tant pis. Si vous avez des idées de conversation, allez-y. Parce que là, je suis un peu à fond dans ce que je fais. Je peux répondre. Mais trouver des idées, je suis un peu à l'ouest. Ok. Il faut les pièces 7 et 8. Alors ceux-là, par contre, j'ai pas remis de morceaux de scotch dessus. Il faut que je les fasse. Il est mon scotch, il est bien. C'est pas toi, je crois. Ah, si, c'est toi. Pas que j'ai plus trop fort parce que c'est un papier assez assez fin. En gros, le principe que j'aimerais bien essayer de faire, c'est mettre ses yeux vraiment avec du papier assez fin pour mettre une lumière dessous. Pour qu'en gros, il y ait de la lumière qui sorte par ses yeux. Voilà, bon, maintenant on va coller les morceaux de sucre. Scalpel, où es-tu? Ah, il y a de la colle sur mon scalpel. Moi, j'ai une bonne idée de le tremper dans la colle. Franchement, tout le monde devrait avoir des aussi bonnes idées que moi. Pouloulou. Et pouloulouloulou. Du tout. Ça c'est 45 quand même. Oui, c'est 45. Arrête de me coller.
Et voilà. Bon, maintenant, on va mettre le 7. Donc, le 7, c'est de ce côté. Bon, par contre, en transparence, on va avoir les petits chiffres. 30, 31, 45. C'est ça. Calme. Ben oui, je vous ai dit de lancer des sujets si vous aviez des idées, parce que quand je suis concentrée, j'ai la capacité de répondre, mais pas de lancer des sujets. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on discute de quoi que ce soit, c'est avec plaisir, mais je vous laisse choisir des sujets. Ok, ça c'est bon. Ensuite, les 8. Faut que je le fasse lui aussi. C'est calme, mais pourtant on est censé être 7 viewers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent comme ça, pipouze, sans discuter, qui ont peut-être pas envie de discuter, juste d'écouter la musique, regarder de temps en temps. Ou sinon, c'est Twitch qui donne des fausses stats. Je sais pas. Depuis quand es-tu avec ton mari et comment vous êtes-vous rencontrés? Alors depuis quand? Bah ça va bientôt faire 6 ans qu'on est ensemble. On s'est mis ensemble le 1er mai. Mais ça fait 12 ans qu'on se connaît à peu près. Parce qu'on était ensemble en 3e. Et puis après la 3e, il est parti dans un autre lycée. Et moi je suis partie aussi autre part. Et on s'est totalement perdu de vue, mais on était admis seulement sur Facebook. Et un jour, donc il y a 6 ans, avril 2015, j'ai posté une photo de Game of Thrones, disant reprise Game of Thrones avec mes petits dragons. J'ai ces petits dragons-là de Game of Thrones. Ils sont plus grands. Voilà, j'ai les 3, ils sont là-haut, j'ai la flemme de tous les descendre. Et donc j'ai mis cette photo en disant « Ouais, reprise Game of Thrones, trop bien, trop hâte quoi !» Et je ne sais pas d'où est-ce qu'il est sorti. Il a mis un commentaire alors qu'il ne commentait jamais mes photos. « Oh, trop bien, moi aussi je commence la saison 1. » Je crois qu'on était à la saison 4 ou un truc dans le genre. Je fais « Ah bah dis donc, t'as intérêt à te dépêcher parce que ça fait un moment quoi. » Il y a la saison 4 qui sort, 4 ou 3 ou 4, je sais plus. Et il fait « Ouais, t'inquiète, machin et tout. » Bref, on se parle plus. Une semaine après, c'était son anniversaire, donc bah, comme il y avait envoyé un commentaire, je lui ai souhaité joyeux anniversaire, parce que je suis quelqu'un de très poli. Et puis à partir de ce moment-là, bah, on a continué à discuter, et son anniversaire, c'était le 20 avril, et on s'est mis ensemble le 1er mai. Voilà. Donc on est ensemble depuis 1er mai 2015. Et on est mariés depuis juillet 2020. Et c'est le grand amour. Après, on a emménagé ensemble, genre ultra rapidement. Enfin, j'ai emménagé avec lui ultra rapidement. Parce que je vivais chez mes parents à ce moment-là. Et dans quel sens? Comme ça. Et comme je vivais chez mes parents et que lui, il avait un appart, vous vous doutez bien que... Ah, j'avais quel âge en 2015? 23 ans.
Ouais, bah écoute, quand t'as les moyens de partir chez toi. Donc, je vivais chez lui une fois par semaine, deux fois, trois fois, six fois, sept fois. Et puis un jour, j'ai ramené mon chat. Je fais, on habite officiellement ensemble. Il fait, non, mais ça fait 3 mois que t'habites à la maison. Ouais, ben non, j'avais pas ramené mon chat, donc c'était pas officiel. Donc voilà. Et on habitait ensemble, ouais, officiellement, comme je dis, 6 mois après, le 1er novembre. Et ce qui est drôle, c'est que au début, quand tu veux fêter ta première année, bah, c'est le 1er mai, il n'y a rien d'ouvert, bien sûr. Et ensuite, quand tu veux fêter ton premier mois ensemble, et bah, il n'y a rien d'ouvert parce que c'est le 1er novembre. Voilà, ne vous mettez jamais en couple un 1er novembre ou un 1er mai, parce que c'est galère après pour trouver des restos. Voilà. Si, y a pour ton level 12. Et toi, depuis quand t'es avec ta femme? Mais j'aime me dire que s'il n'avait pas commenté cette photo, bah, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je serais très certainement pas devant vous, dans cette maison, en tout cas peut-être devant vous, mais pas dans cette maison, à faire ce que je fais. C'est si loin tout ça, et ouais. Ouais. Tic Tac avec qui je discutais beaucoup à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui en tout cas, hein. Petite reproche comme ça, gratuite. A entendu, bah, a connu l'histoire au fur et à mesure. C'est assez drôle. Ça avance bien! Regardez! C'est trop bien! Ça fait plus de 12 ans, rencontré sur Facebook par hasard à l'époque où il n'y avait pas grand monde dessus. Ah oui, il y a 12 ans, bah, quand je suis, moi j'étais au collège il y a 12 ans, donc c'est sûr que ça venait de commencer un peu Facebook. Ah là là, Facebook. C'était le Tinder d'aujourd'hui, qu'est-ce que je te dis? Ça me saoule, ça dégage. Tous les trucs pas collés là, je vais les briser. Et vous êtes mariés il y a combien de temps? Maintenant, Facebook, c'est devenu un bordel sans nom, des images pourries, en veux-tu, en voilà, des complotistes en tout genre. C'est drôle parce que quand tu parles. Oh, John, par exemple, le petit frère de mon mari qui a 17 ans. Oui, 17 ans. Quand tu lui parles de Facebook, pour lui, c'est un réseau social de vieux, quoi. C'est en mode anarmisé pour les vieux, quoi. Snapchat, Instagram, c'est leur vie. C'est en mode, ok. Why not? Après, c'est vrai que j'ai plus trop sur Facebook. Hein. Facebook, j'utilise surtout pour ma famille. Donc, qui eux sont encore dessus, bah, ma grand-mère par exemple, sur Facebook. Mais sinon, à part ça, je poste quasiment plus aucune photo. Je poste des trucs de temps en temps, mais genre les photos de mon mariage, je crois que c'est le dernier truc que j'ai posté. Une photo après le décès de mon papa, mais c'est tout. Bon après en même temps avec le confinement t'as pas trop de choses à poster non plus quoi.
Je sais que quand j'étais au Japon, par exemple, je postais tous les jours des photos sur mon groupe Japan Addict que j'ai renommé en point Japon, je crois. Ou ça s'appelle toujours Japan Addict, je sais pas trop. Dessus, parce que je savais qu'il y avait ma famille dessus, qui allait voir les photos, mais là, chez moi, je vais envoyer des photos de quoi? De mon chien toutes les 5 minutes? Les gens, même ma famille, elle va plus vouloir voir mes photos si j'envoie des photos de mon chien tout le temps. Putain, qu'est-ce que je peux prendre de photos au Japon? Mariée en août 2019 et voyage en septembre, quelques mois avant le bordel. Ah bah, t'as bien fait. Hein. Ah, c'est vrai que t'étais au Japon en septembre 2019. Oh putain, moi je suis partie pour mes 3 mois au Japon en octobre 2019. Et moi aussi, ouais, j'étais au Japon avant ce... avant ce gros bazar. Même si on entendait un peu parler en décembre en Chine. C'était tellement en mode, oh, c'est bon, c'est qu'un virus comme un autre. C'est une grippe, quoi. Un an et demi plus tard. Ah bah non, c'est pas une grippe. Ah bah non, ça serait. Facebook, c'est juste pour Messenger maintenant, en fait. Ouais, exactement. Clairement, ouais. Après, moi, je discute sur Instagram avec la messagerie Instagram. C'est très bien aussi. Ça réponse bien. Tous ces morceaux de scotch à l'intérieur. Tout ça là, c'est des morceaux de scotch. Dire que j'ai failli me marier en 2020. La salle qui nous plaisait n'avait plus qu'une seule date en 2019. Ouf, bah putain, ouais, t'as trop bien fait. Moi je suis dégoûtée. J'avais espéré que mon mari me demande en mariage premier voyage au Japon en 2018. Et il ne l'a pas fait. On aurait pu faire un gros mariage avec tout le monde. Mon papa encore en pleine santé et tout. Mais bon. Ainsi va la vie. Ainsi vont les gens. On ne peut pas changer ce qui a été fait. Par contre, ouais, je regrette un peu de... Je suis super contente de m'être mariée, qui est mon papa et tout. Mais ce que je regrette, c'est que voilà, il n'y ait pas toute ma famille, tous mes amis. Par exemple, Tic Tac, mon meilleur ami, lui, il a même pas pu être là pour mon mariage. J'étais trop triste. Mais ouais, non, ça me saoule, quoi. Ça, c'est le seul truc qui m'a saoulé. Et j'ai bien envie de faire... parce qu'on a fait que le mariage civil. Pas le mariage religieux. Et j'aimerais bien faire le mariage religieux. Mais de une, ça coûte beaucoup d'argent. Voilà. Et de deux, est-ce que j'ai vraiment envie de refaire un mariage sans mon papa, quoi. C'est ça aussi. Donc je sais pas trop. J'hésite. Après, pour l'instant, on n'a pas du tout les finances pour. Pas du tout. Il faudrait que je gagne au loto 10 000 euros, au moins. Pour éventuellement espérer pouvoir faire un mariage. Parce que là, le problème, c'est que on sera pas 60 comme la dernière fois, mais... à l'origine, on devait être 180 pour notre mariage. Hein. Et voilà. Monsieur, madame, coronavirus... Et venu. J'attends bien. Pas prévoir à l'avenir, heureusement. C'est sûr. Des collègues se sont mariés à 6 personnes et vont faire une cérémonie laïque, plus repas, plus fête, une fois la crise sanitaire terminée. Bah non, et nous, ce qui nous saoule en plus, c'est qu'on avait réservé une salle. Et qu'ils veulent pas nous rembourser. Ils acceptent de reporter au Vita Eternam. Enfin, peut-être pas à Vita Eternam non plus, mais ils acceptent de reporter. Mais si on n'a pas d'argent pour le faire, c'est un peu compliqué, quoi. Donc c'est un peu, ouais, je sais pas. C'est un peu relou. Peut-être, je sais pas, le faire en 2025. Alors, je voulais le faire en 2022, mais 2022, ça va être encore un peu proche. Mais faire, par exemple, en 2025, quand on aura mis de l'argent à nouveau de côté, que ça nous permettra de fêter, par exemple, nos 5 ans de mariage, tout en faisant le mariage religieux, tu vois. Je sais pas trop. C'est un petit peu compliqué pour l'instant. Tu peux arrêter de décoller là ? Fatigant. Oh là là.
Ah ouais, faut vraiment que je m'achète une imprimante. Est-ce que quelqu'un s'y connaît en imprimante? Parce que là, je m'y connais pas du tout. Ça se met comment? Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Donc on va commencer par 55. C'est celui-là. Ouais. Enfin bref, voilà. Voilà, voilà les nouvelles. Ah non, j'aurais dû le mettre de l'autre côté. Et voilà. Mais par contre, j'ai envie de retourner au Japon. Oh là 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 là. Très honnêtement, hein, mon mari, demain, il me dit, viens, on s'en va, on va vivre au Japon. Je fais, ok, on vend tout, on s'en va. Nos soucis. On fait les visas, on se barre. Mais il ne me le dira jamais ça. Clairement jamais. Pour mon plus grand malheur, tristesse. Mais bon. Quand je vois comment ils sont au Japon actuellement, avec le coronavirus, ça change quasiment rien pour eux. Ils ont tout le temps à se protéger de base, donc forcément, pour eux, les restos sont ouverts et tout. Tout va très bien. J'ai pensé à fêter mes 5 ans de mariage au Japon en faisant un mariage japonais. Bon, sans la famille, car les billets d'avion, pour tout le monde, c'est pas possible. Je ne m'appelle pas Elon Musk. Ah ouais. Ah si, j'aurais bien aimé... J'aimerais bien, par contre, faire un shooting en robe de mariée au Japon. À Okinawa, je sais que ça se fait. Et en général, j'adore les shootings photos, donc c'est quelque chose qui me plairait bien. J'en faisais souvent avec mon mari avant. Et donc, ouais, j'aimerais bien faire ça éventuellement. Mais bon, c'est à voir déjà quand est-ce qu'on ira. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais ouais, par contre, j'ai vu j'ai vu un mariage à Miyajima, sur l'île à côté d'Hiroshima. Et c'était trop beau. Par contre, t'as tout le monde, quoi. Tu fais ce bruit là. T'as tout le monde qui peut assister à ton mariage, c'est-à-dire qu'eux ils sont dans la salle, mais c'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde te voit. Toi t'en vas. Ouais, il y a lien entre touristes, ils vivent, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais après, si t'arrives à te faire embaucher par exemple dans une entreprise américaine ou française, c'est pas la même chose non plus que dans les entreprises japonaises. En tant que gaijin, on te demande pas du tout le même. Même effort niveau travail et tout. Mais ouais. Après, je vois pas mal de gens qui sont au Japon et qui s'en sortent plutôt super bien. Et... Enfin, de gens, oui, pas de japonais, hein, mais de touristes, de français qui sont au Japon et qui vivent leur meilleur life, quoi. Et c'est un petit peu pour ça aussi que j'aimerais bien y aller. 66. Ça fait une heure qu'on live, on a déjà la pièce 11. De toute façon, aujourd'hui, il faut que j'arrête à midi et demi. Dernier cara. Ce qu'on va manger avec le petit frère de Nico. De chat, pardon. De Nico Tian. Et il faut qu'on aille chercher à manger. Oh là, tout simplement. Oh, et puis je suis dégoûtée, ma formation, je sais même pas si elle pourra se faire. J'ai encore reçu un refus de Pôle emploi, là. Donc finalement, Tic Tac, je pourrais peut-être venir au mois de mai, juin. Donc on fait un appel. Parce qu'en gros, la nana, elle m'a dit au téléphone, « Oui, nous ne finançons pas les reconversions Pôle emploi à plus de 2000 euros. » Ok, bon, ça me fait chier, mais je peux le comprendre. Donc avec l'école, on a essayé de faire un micmac où en gros, il fait une formation, parce qu'en gros, je passe par le CPF. Il refait une formation. Au lieu que ce soit à 5 000 euros, il l'a fait moins cher en calculant mon CPF pour que Pôle emploi n'ait plus qu'à payer 2 000 euros. Donc il a même fait 1 990 euros. Et donc j'envoie ça et tout à la nana, et elle me rappelle, elle fait « Ah bah vous avez trouvé notre formation ?» Je fais « Oui, c'est dans la même école, mais ils ont une autre formule. » Bref, elle m'a saoulée. Jeudi dernier, juste avant le live, j'étais énervée à cause d'elle. Ouais.
Et non, pas jeudi dernier, jeudi il y a 2 semaines. Et donc, elle me dit ah, bah d'accord, bah, je vais voir avec mon responsable, blablabla. Okay. C'était le 14 février. Hier, j'ai reçu un mail disant je vous avais dit par téléphone que nous ne financions pas les formations de reconversion, qu'il fallait passer par cet organisme qui, eux, les finançait. Et, sauf qu'il faut 2 mois d'attente. Je fais, mais t'es mignonne, mais ma formation est dans 3 semaines en fait. Donc j'étais dégoûtée, et sauf que par téléphone, elle m'a pas dit qu'il ne finançait pas, il dit qu'il ne finançait pas plus de 2000 euros. Et en gros, eux, ils disent oui, mais la formation n'est pas en accord avec ce que vous voulez faire et pour le recrutement. Sauf que moi, dans ma lettre de motivation, j'ai dit que je voulais être auto-entrepreneur. Donc, pas de formation, enfin, pas d'embauche, auto-entrepreneur. Je suis mon propre patron. Enfin bref. Et donc voilà, donc elle m'a saoulée, clairement. J'en ai marre. Et donc bah, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Donc là, l'école est en train de voir pour faire des recours. Honnêtement, elle est super cette école. Hein. Elle aide beaucoup les élèves. Là par exemple, moi je commence à en avoir strictement marre. Honnêtement, elle serait pas là l'école, j'aurais déjà abandonné depuis tellement longtemps. Mais vu qu'elle aide beaucoup, c'est lui qui m'écrit mes mails, mes machins, que après que j'ai plus qu'à envoyer à l'école, enfin à Pôle emploi. Donc là, hier soir, il m'a envoyé à 23h, je crois, une lettre écrite de recours pour qu'on puisse l'envoyer à son directeur, quoi. C'est lui qui a appelé Pôle emploi pour que j'ai un autre, comment on appelle ça? Les gens qui s'occupent de vous chez Pôle emploi, j'oublie son nom. Vu que j'en ai pas. J'ai un formateur, mais c'est pas un formateur. Ah non, j'ai oublié de plier. Merde, je parle et je suis des coups de lit. Un conseiller. Conseiller. Et donc, vu que il a demandé à Pôle emploi que j'ai un autre conseiller, parce que déjà de base, en fait, quand t'es intermittent du spectacle, tu n'as pas de conseiller attitré. C'est bien ça. Hein. Là, j'en ai rien exceptionnellement. Parce que je demande une formation. Mais sinon, non, nous, vu qu'on est tout le temps chez Pôle emploi, ils vont pas se faire chier à nous attitrer un conseiller. Est-ce qu'on est content? Oui. Enfin bref, voilà. Donc je ne sais même pas si je pourrais faire cette formation ou pas. Je suis un peu dégoûtée. On verra bien. Pôle emploi est la pire administration en France avec la CAF. Ils ne sont pas là pour t'aider, bien au contraire. Ah non, c'est sûr, ils sont pas du tout là pour t'aider. Et ce que je disais, heureusement qu'il y a l'école qui... Oh, mais j'ai mis de la colle partout. Enfin, un petit coup de... Heureusement qu'il y a, l'école qui est là pour nous aider, parce que sinon... C'est n'importe quoi, cette histoire. Je vais pas couper ici. Ah, si. Enfin, bref. Je suis un peu déprimée en ce moment, là. Pas facile, facile et tout. Entre ça et le fait que le bilan sanguin te rappelle que tu n'as plus 20 ans et que ton corps n'est plus au top de sa forme, toi t'es content. Hein. T'es content, franchement. Et avec cette crise, t'es en mode mais sinon, qu'est-ce que je fais là? C'est bien. Si on est content, on est bien. Hein. Enfin bref. Les joies de vivre en ce moment. J'ai hâte que ça se termine. Je sais bien hein, que ça va pas se terminer tout de suite. Ça, j'en suis pleinement consciente. C'est ça qui me déprime encore plus. Mais là, la région parisienne, elle est en train de me sortir par les trous de nez, par les oreilles, par tous les trous, mais c'est pas très poli ce que je dis. Mais ouais, là, j'en peux plus, clairement. Ça, normalement, ça se met là. Enfin, bref. Hug virtuel. Oh, merci. Oh non, mais j'ai encore enlevé le mauvais. Après, je sais que je suis pas à plaindre. Hein. J'ai une vie qui est quand même très aisée par rapport à d'autres personnes. J'en suis parfaitement consciente. Déjà, j'ai eu la chance d'aller au Japon. Rien que ça, déjà. Oh, je me sens plutôt chanceuse. Mais bon, c'est pas toujours facile.
Hey, c'est trop fort. Regarde-moi ce casque, il est trop joli. Wow. Mais je sais ce que je vais faire, je vais en refaire un autre après un rouge. Et comme ça, avec mon mari, eh ben, on en aura chacun. Ah, ah, j'ai fait une connerie. Ah, j'aurais pas dû le mettre derrière. Ah, c'est bon. On en aura chacun un. Oui, oui, oui. Cette fois-ci, je ferai pas de conneries dedans. Moi, j'aurai le casque de Pepper. Et lui, il aura le casque. Oh, j'ai envie de faire un Totoro aussi. Oh, Totoro. Lui, par contre, je pense qu'il va me prendre des heures à faire Totoro. Le bonheur n'est pas une question de richesse, mais une question de sens à donner sa vie. Non, je suis d'accord avec toi, Yobox, mais disons qu'il y a des personnes qui sont plus à plaindre que moi. Je te parlais même pas d'argent hein, quand je disais que je suis pas à plaindre. C'est à des gens qui ont des malheurs bien pires que les miens. Des fois, quand je pense à ça, je me dis que j'ai pas le droit de me plaindre, quoi, clairement. T'as des gens qui perdent leurs enfants, qui perdent tout, qui se retrouvent à la rue, qui... Même en étant très riche, enfin, pas à la rue, mais par exemple, même en étant très riche, tu peux perdre un enfant et je pense que pour un parent, ça doit être la pire douleur au monde, tu vois. Et moi, je n'ai pas ce genre de problème, donc c'est... Des fois, je me trouve un peu simplette avec mes problèmes, mais bon. Comme un enfant qui fait un caprice. Comme par exemple le fait de vouloir vivre au Japon. Clairement, c'est un caprice d'enfant. Mais bon. Ah non, de la colle. Par contre, c'est un peu chiant comment la colle, elle se voit beaucoup plus sur le papier métallisé. On est mardi, mais attends, on m'a pas appelé. Pardon, excuse-moi, je viens de penser à un truc. Faut que j'envoie un message vite fait. Le petit message que je voulais. Tiens, tant que j'y pense, c'est bizarre que Mayu il soit pas là. Il doit toujours dormir. J'aimerais bien avoir une caméra où vous voyez ce que je vois avec mes yeux. Parce que là, j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose en fait. Donc j'essaie de tout mettre par rapport à mes yeux. Tadam! Regardez de face, on a l'impression qu'il est fini. Attendez, attendez, comme ça. Et je m'en sors pas du tout avec les caméras. Merci. Wow, c'est trop génial. Ma connexion déconne. Ah mince. La connexion de ton boulot déconne. C'est bizarre. On va acheter ça. Dans ma petite poubelle Primark. Là où elle va sur le côté. Comme ça, elle va ici. Elle se met comment ? Elle se met comme ça.
Donc on a dit que ça se mettait comme ça. Comme ça. On va commencer par le petit bout en dessous. J'ai dit que ça se mettait comme ça. Comme ça. Ah non, c'est dans le sens. Je veux dire, il est où le scotch? Faut le mettre comme ça, ok. C'est tellement satisfaisant d'enlever ce morceau de scotch. Nice, salut. Tugi. Merci Zetaï pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Yo, voilà. Petite question habituelle. D'où viens-tu? Viens-tu d'Instagram ou des méandres de Twitch? Alors ça, c'est pour le coup. Ça devrait venir quelque part par là. Pardon pour le coup de coude. Ouais, ça va se coller ici. Salut, des méandres de Twitch plutôt. Ah, trop cool! Merci Twitch de me mettre en avant, enfin! Tu t'es perdu sur Twitch alors? Tu t'es dit, je vois du Papercraft, on va venir. Wouhou! Que tu reconnais ce que je suis en train de faire ici ou ici? Oui, tout à fait, ça se met bien en dessous, hein, comme ça. On va enlever les trois, ça sera plus simple. Ah, il y a le 75 aussi à mettre. Yes. Je ne sais même plus d'où je viens, moi. Instagram, oui, mais comment j'ai connu pour le Japon? Bonne question. Bah, tu l'as connu via Okaeri. Vu qu'on était tous les deux sur Okaeri à l'origine et que tu étais là quand j'ai commencé à faire Point Japon. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Est-ce que tu travailles en ce moment? Tu fais partie de la team travail ou tu fais partie de la team je chill chez moi tranquille, détail? Ça fait penser à mon Iron Man avec d'autres couleurs. Oui, alors là je fais plutôt le casque de Pepper. Et je pense qu'après je ferai le casque d'Iron Man, comme ça avec mon chéri on aura chacun son casque. Et j'aimerais bien mettre de la lumière à l'intérieur. Comme j'ai mis un papier un peu plus transparent au niveau des yeux, ça ressortira un peu. Et puis ça se voit pas, bah je découpe les yeux. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. Ah, je peux plus me rappeler. Oui, toi t'as connu Point Japon depuis ses débuts. C'était en mai l'année dernière pendant le confinement. Et j'avais envoyé un message à Okaeri pour savoir si ça la dérangeait pas, que je fasse un Point Japon. Je voulais pas qu'elle pense que je copie quoi que ce soit. Pardon. Pour le moment, je chill, j'essaie de retrouver du travail. Ah, bienvenue au club.
les joies de notre très cher... Oh, j'ai pas fait un trait, là. De notre très cher coronavirus qui nous empêche de travailler. Ça se découle. C'est pas très drôle cette histoire. Voilà. La pandémie, tout ça, TMTC, yeah, yeah, yeah. Oh, regardez! Ça se verra. On est où? On va prendre cette caméra-là. Oh, ça se voit pas du tout, c'est nul. Attendez. Attendez. Attendez, on va réessayer. Sur cette caméra-là. Boum! On a l'impression qu'il y a un œil. Pardon. Vas-y, monte. Vas-y, on monte tous en business. Allez, easy. Mais on monte un business qui peut nous envoyer au Japon. Hein. Quitte à monter un business, autant que ce soit utile. Mêlez l'utile à l'agréable. Ah oui, si t'as pas compris, ici on est des grands fans de Japon. Zetai. Parce qu'à l'origine, je donnais des cours de japonais sur cette chaîne. Mais normalement, je suis censée commencer une formation bientôt. Sauf si Pôle emploi ne m'aide pas. Et donc j'ai un peu abandonné l'idée de donner des cours. Ça prend énormément de temps. Et donc voilà, pas de soucis, je suis fan du Japon. Est-ce que t'as déjà été au Japon alors? Faut savoir si tu fais partie de la team Japon ou pas. Yobrox et moi, on y a déjà été en tout cas. Ok, donc là je suis sur la 16. Et la 16, elle doit se mettre de ce côté-là, je suppose. Comme celui-ci. Yeah. Malheureusement non, mais j'ai une amie qui travaille là-bas, donc j'espère qu'une fois que les voyages seront ouverts à nouveau, seront à nouveau au bout du jour, j'irai la voir. Oh, j'espère vraiment pour toi. Est-ce que tu connais les melon pan? Alors, je sais pas d'où est-ce que t'es, mais si t'es de Paris, est-ce que tu en as déjà mangé, par exemple? Parce qu'à Paris, on a la boulangerie Aki qui en fait. Oh non! Ah si, ah putain. Jamais goûté, mais je connais deux noms. Et bah hier, figure-toi que j'en ai fait. Boum. Bon ok, il était un peu énorme, donc j'ai pas réussi à tout manger ce matin au petit-déj. Mais boum, j'ai fait un melon pan. Et j'ai un peu trop croqué la partie cookie au-dessus parce que c'est trop bon. Voilà. C'était une tuerie. Mais franchement, à faire deux fois plus petit. Je pensais pas qu'ils allaient autant gonfler, surtout. Honnêtement, quand je les ai faits, ils étaient gros comme ça. Et après, ils ont doublé de volume. Je suis de Belgique. Ce n'est pas très connu ici. Ah oui. Oui, oui, oui. Moi, je suis triste pour les Belges parce que je me dis qu'ils pourront jamais faire de PVT. Et ça me rend triste pour vous. Vous pouvez faire un PVT en Corée, mais pas au Japon. J'ai discuté avec Barmok la dernière fois, un viewer. Qui lui aussi est belge et qui voudrait aller au Japon et il peut pas faire de PVT. Donc il va passer au Japon en tant qu'étudiant, tout simplement. C'est le seul moyen que vous avez pour étudier la langue là-bas. Enfin, pour rester plus de 3 mois surtout là-bas.
Au fait, est-ce que vous entendez la musique? Parce qu'à chaque fois, je vous pose la question et je crois qu'à chaque fois, la réponse est non, mais... Mais j'aime bien vous poser la question. Parce que je mets toujours une petite musique en fond derrière. Un peu de chillax. Il me semble qu'on peut rester plus de 3 mois, mais faut un dossier de ouf. En tant que Belge? Je crois que les Belges, ils sont bloqués à 3 mois, hein, comme nous. Ou sinon, tu fais la technique du... je vais au Japon pendant 2 mois et demi, ensuite je vais passer 2 semaines en Corée, puis je reviens et j'ai à nouveau 3 mois au Japon. Yeah! Très légèrement, on la devine plus qu'autre chose, la musique. Pourtant, je crois que je suis à fond ici. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'en ai marre de ses cheveux. Ok, cool. Ah mince, ça se fait. Ah mince, je pouvais les mettre ceux-là. Je l'avais pas vu. Pardon. Pour le coup, vous avez dû prendre. C'est trop génial. Ah, c'est décalé, c'est moins génial. Et tu es là parce que t'aimes bien le papercraft, Zetaï? Ou parce que tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Allons voir. Et t'as tout à fait le droit. C'est juste pour en savoir un petit peu plus. Et pour pouvoir lancer des sujets de conversation. Ah, mais ça aussi, ça se colle! Trop bien, j'avais pas vu! Ça va être le coup. Un peu des deux. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes au Japon? Enfin, qu'est-ce que tu aimes... comment dire? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce qui t'intéresse? Si t'as des questions, n'hésite pas. Comme nous, on a déjà été au Japon, on peut peut-être t'aider à répondre certaines questions. Aïe, je me suis mis le casque dans la tête. J'aime regarder le papercraft, mais je ne pourrais pas en faire moi-même. Pourquoi? T'es pas assez patient, c'est ça? Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. Hein. C'est vrai qu'il faut être patient pour faire ce genre de choses. Moi, j'adore dessiner. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Hein. Mais j'adorais dessiner. Plutôt mettre au passé. Faire du... Par exemple, pour donner une idée, est-ce que je suis patiente? Ça, c'est 1000 grues. C'est ce qu'on fait souvent au Japon pour son mariage ou pour la naissance d'un enfant. Je l'ai fait pour mon mariage, 1000 grues. Ensuite, il y a ça. C'est des feuilles, des fleurs de sakura, pour mon mariage aussi, que j'ai fait entièrement à la main avec du papier crépon. Est-ce que ça veut dire à quel point je suis patiente dans ce que je fais? Je pense que oui. Voilà. Bah, je vais dire le classique déjà, j'aime la musique, J-pop, mais aussi traditionnel, et puis j'aime les jeux, les animes, les jeux vidéo. JRPG, c'est impressionnant. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais est-ce qu'il y a des choses, par exemple, dans la culture qui t'intéressent? Enfin, des choses à visiter plutôt, qui t'intéresseraient? Des conseils? Qu'est-ce que tu regardes comme animé en ce moment? Trop génial! Presque fini!
17. 17, ça se met ici, comme ça. Comme ça, donc. Je ne connais pas bien pour le moment, mais j'aimerais juste découvrir le pays, la culture. Et bien, tu as bien raison. Ah, il y a un autre truc que je pourrais faire en live aussi. C'est ça. Ah non, tombe pas. Tombe. Je sais pas trop combien de temps ça prend. C'est du papier théâtre. En gros, ça, les papiers dedans, c'est comme ça. Hop, il faut les assembler. Je sais pas combien de temps ça me prendrait à faire. Et comme vous pouvez voir, boum, j'ai payé ça 1200 en yens. Vous ne le verrez pas parce que la mise au point ne va pas se faire. Voilà, 1200 yens. Je les ai achetés au Japon, j'ai acheté celui-là et celui-là. Comme ça, j'ai toutes les évolutions. Et je les ai achetés il y a presque un an et demi. Faudrait peut-être que je pense à les faire. Mais il faudrait que je vois ce dont on a besoin pour les faire. Niveau anime, j'ai commencé Orimiyama hier. J'aime les Sojo. Ah, Orimiyama, j'avais lu le manga. T'as Wakanim? C'est sur Wakanim, je crois qu'il est en ce moment. Et moi, je suis la team. J'attends que le manga sorte entièrement pour pouvoir le regarder ou le lire. Non, pas le lire. Par contre, le lire, je peux le lire au fur et à mesure. Mais le regarder, c'est. Par exemple, là, en ce moment, j'attends que Shinji no Kyojin sorte, l'attaque des titans, sorte en entier. Pour pouvoir le regarder, parce que bah c'est mieux. Sinon, tu regardes un épisode, t'es en mode... Mais la suite, elle est où? J'aime bien regarder chaque semaine personnellement. Ah oui, non, mais après, ça c'est sûr, chaque personne là-dessus est complètement différente. Je sais qu'il y en a beaucoup comme toi qui préfèrent regarder... Enfin, qui aiment bien regarder chaque semaine. Et moi, je suis la team... Je bouffe tout en une soirée, ce qui n'est pas forcément mieux. Nous, on vient de finir la saison 4, 5, l'avant-dernière saison de Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, comme, en fonction de comment vous préférez le dire. Je sais pas si tu l'as regardé, ce manga. Alors, c'est pas un seul jour, hein, bien sûr. Sinon, je regarde trop vite et j'ai pas le temps de m'attacher. C'est vrai. Mais moi, moi, si je mets trop longtemps, je me détache justement. C'est l'inverse. Pas encore, mais il est dans la trop longue liste. Bah, je vais pas te spoiler là. Mais clairement, en fait, t'as. Ça, c'est pas un spoil, mais en gros, t'as les saisons. Donc, t'as la saison 1 qui fait, je sais pas, 12 épisodes. La saison 2, 15, la saison 3, 23, 22, un truc dans le genre. Et la saison 4, 61 épisodes. J'en pouvais plus. Franchement, j'ai pas vraiment aimé, surtout. Voilà. J'ai pas vraiment aimé cette saison. C'est mon ressenti personnel. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont adoré. Moi, je l'ai trouvé très très longue, trop longue pour ce que c'était. Et voilà. C'est tout ce que je pourrais te dire dessus. 18. Ok, 18. Je l'ai et j'en fais quoi? Tu me dis pas à côté de quoi faut que je le mette? 18. Ok.
est noté. Ok, donc je suppose que 18 il va se coller à 19. 96 c'est comme ça. Mais avant je vais peut-être le coller. Avant de faire ça avant comme ça plutôt. 95, tu es où tu es là? On va repousser un peu le masque en attendant. Pour avoir un petit peu de place. Sinon, en ce moment, qu'est-ce que je regarde? Bah, comme j'ai dit, on est à fond sur Hunter x Hunter. Il y a encore la dernière saison qu'on est censé regarder. Et après, il faut qu'on regarde aussi la dernière saison de My Hero Academia. Sur Wakanim, je regarde Grace by God. Je crois que c'est ça le titre. C'est un petit garçon qui se réincarne dans un autre monde avec où il y a de la magie. Et il contrôle plein de slime. Et drôle cette série, j'aime bien. Je sais pas dans quelle catégorie elle est, je crois qu'elle est dans la catégorie Shoujo. Shonen peut-être, mais il n'y a pas beaucoup de bastons, donc... Et vu qu'il est très girly... Faut que tu te plies un peu plus, Jean-Mich-Mich Crapaud, là. Ah ouais? Ah ouais, pas plus. Ah, je suis pas convaincue de ça, en fait. J'aimerais bien que tu te... Ah ouais, je peux pas te décoller. C'est un petit peu relou, cette histoire. Bon, bah écoute, on va faire au mieux, ça va être ça. Jean-Mich-Mich Crapaud. Ouais, non, c'est le jeu, pardon. J'ai joué à LOL pendant longtemps et j'utilise souvent cette expression pour le carapateur. Jean-Mich-Mich Crapaud. Ça reste dans le même style, il est aussi dans ma liste. Ah oui, effectivement, t'as une longue liste, non? Pourtant, en ce moment, si tu travailles pas, tu dois avoir le temps de regarder les mangas. Donc, je tienne le temps que ça sèche un petit peu. Ça, je crois que c'est l'oreille. Pas vraiment. Je peux rester comme ça et coller comme ça, non? Non, tu veux pas? Bon, bah écoute, on va faire ça. De notre pied. Tant pis. Ah! Non, c'est cool. Ok, et donc ensuite, ça, on va venir le mettre de ce côté-là. Alors, je cherche 78. Non, 87, pardon. 87 dans ce sens-là. 87, donc comme ça, 86, 88, et 99, ah ça se colle pas dessus, ok. Pas décoller après recoller, c'est moins joli. Okay. On va faire comme on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand chose. Désolé si vous voyez pas grand chose là. Moi non plus je vois pas grand chose de toute façon. Ça peut vous rassurer. Ok. Maintenant on tient. Si j'ai cette taille pour te le mettre. Un. Je vais voir si j'aurai le temps. Mais j'espère trouver du travail au plus tard. Ah bah c'est. On espère tous. On espère tous. Aussi bien pour toi que pour nous.
Tsugi. 20. Enfin, ça va se mettre. Ok. Ah non, non, non. Ça détend de regarder du papercraft. Ça détend d'en faire aussi. Après, ça dépend si t'es. Si de base, ce genre de choses peuvent t'énerver. Donc, non. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout la patience et que ça énerve. Mais moi, d'en faire, ça me détend énormément. Sauf comme. La dernière fois où j'ai fait mon live pendant 2 heures, où j'ai posé des morceaux de scotch ici pour les faire, et qu'au moment de faire le premier, je me suis rendu compte que c'était de ce côté-là qu'il fallait les poser. Donc hors live, j'ai repassé 2 heures à... ça, je les ai laissés parce que c'est du double face, donc faut l'enlever pour que ça colle, donc c'est pas grave, mais à recoller de ce côté. Ah, j'étais contente. Ah là, j'avoue, j'étais peut-être un peu vénère. Un peu vénère de ma connerie. De me dire c'est pas possible d'être aussi bête. Mais ouais, non, là, j'avoue, je rigolais moyen. Ça ne va pas se découper. Et toi non plus. Allez, go. Donc, 85, c'est là. Aussi les constructions en bois, en fait, tout ce qui ne demande pas de colle. Ah pardon, j'avais pas eu dessus. Non. Moi, c'est plutôt Lego Nanobloc qui me détend quand je les fais. Aussi les costumes. Ah oui, tout ce qui n'a pas besoin de colle. Oui, je comprends parfaitement que ce qui n'a pas besoin de colle te déstresse un peu plus. Parce que là, moi aussi, là, c'est le scotch, hein, comme tu as pu voir, qui m'a mis dans le mal. Pas facile cette partie-là de la pièce. Faut forcer un peu pour que ça rentre bien, enfin pour que ça colle au bon endroit. Mais franchement, ça va, ils sont vachement ludiques les patrons. C'est sur DT Workshop que tu as en dessous là. Il y a pas mal de patrons gratuits comme celui-là en fait. Tout ce qui est une licence, c'est gratuit. Et après, dès qu'il fait des petits papercraft de lui-même, en fait, sans licence, ça, c'est payant. Par exemple, là, il vient de faire une pêche qui est trop jolie, que j'aimerais bien faire. Toi, par contre, tu colles pas et ça me... Moyen chaud. Que j'aimerais bien faire, que je trouve trop mignonne. Et que ça me dérange pas de payer, parce que, par exemple, j'ai pris aussi un patron d'un masque Hanya. C'est un masque de démon japonais. Et j'ai trop envie de le faire. Enfin, je suis en train de le faire avec une amie. Mais comme on le fait à deux, bah, pour l'instant, je l'attends pour le faire. Par contre, pourquoi tu t'es décollé Moyen pas content. Moyen pas content du tout. Voilà. Tadam. L'oreille est faite. Je vais regarder. Je t'en prie, va regarder. Il faudrait que je crée une commande comme Candy, ma pote qui fait des lives dessus. Où en gros quand on tape papercraft on arrive directement sur son truc. Et je vais la faire maintenant. Ouais, je sais, c'est pas le moment, mais c'est pas grave. Oh, et puis c'est comme mes émoticônes, je viens d'ajouter plein de nouvelles émoticônes, elles ont toujours pas été acceptées par Twitch. Ça me vénère par contre. Stream. Yep. Yep.
plante, oui, check la plante. Commande. Add commande. Paper craft. N'hésite pas. Ok, ensuite, Diti. Oh, merde. Hop, contrôle C. Je peux pas faire un retour? Eh ben, c'est pas grave, contrôle B. Confirme. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Paper craft. Boum. Voilà, c'était le petit moment pause. Petit morceau de melon pan. Il n'y a pas de quoi. Pardon, je mange vite fait. Ok, c'est reparti. Par contre, toi, pourquoi tu l'as toujours pas collé? T'es nul. Le problème, c'est que la colle, elle est pas assez solide, elle est pas... de scotch. Tu colles pas bien, Jérôme. Désolée, je suis en train de faire un petit raccord dernière seconde là. Parce que ça voulait pas coller. Je manie toujours aussi bien le scalpel, Yobrox. Je sais pas si t'es toujours là. Et voilà. Tu vois, je pourrais t'opérer. Ok, Thierry. Elle n'arrête pas de tomber, c'est pas possible ça. Pas de soucis, bon courage pour la retouche. Ah, mais c'est bon, c'est fait. Hein. Moi je suis au taquet pour les retouches. Ensuite, on a. Ah bah non, ça. Qu'il faut mettre. Là, comme ça. Oui, je suis toujours là. Ah bah voilà. Il y a quelqu'un qui est arrivé, ça y est, tu parles plus. C'est cette taille, elle te fait peur. Alors je dis elle, mais ça se trouve c'est il. J'en ai conclu que, comme tu regardais les sojo, c'était elle, mais. Mais tu peux être il. Je travaille. Oh, mais c'est quoi cette excuse de nul de travailler là? Je rigole. C'est comme Tic Tac, hein. Je le vois, il est toujours marqué qu'il est sur le live, mais il parle plus non plus. C'est quoi ces gens qui travaillent? Je suis pas méchante pourtant. Bon, on va en conclure donc que c'est bien une fille. Ou une femme, pardon. Désolée, mais je t'écoutais. Je rigole, Yobrox, t'inquiète pas.
Alors, je sais pas si les 7 spectateurs qui sont là sont tous au travail. Donc, on a 6, vu qu'on a Z-Tai qui est là. Mais c'est drôle d'avoir des gens comme ça, je trouve, qui regardent les lives et qui discutent jamais. Alors, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, ça me dérange pas, mais je trouve ça drôle. Moi, quand je suis. Alors, ça dépend. Quand je suis sur un live où il y a beaucoup de personnes qui parlent, par exemple, si je vais voir le live de Louis-San ou de Jill ou genre de truc, ouais, là je parle pas parce qu'il y a genre 500 000 de personnes qui parlent et je sais que la personne ne verra jamais mon message, ça me saoule. Par contre, quand c'est un live où on n'est pas beaucoup, sur les lives de Candy, Maeva ou genre de choses, bah là je discute parce que je me dis, bah, vu qu'on n'est pas beaucoup, de toute façon elle verra mes messages, donc autant discuter. Donc je trouve ça drôle. Wissan a déjà lu pas mal de mes messages. Ah ouais? Après, il les lit, hein, mais c'est moi qui ai la flemme d'écrire parce que je sais que j'ai une chance sur deux qui voit mes messages. Pas tous, mais une bonne partie. Mais c'est bien ça. Ça va pas être collé ici. Mais je sais que lui, en général, il les lit. Hein. Il les lit. J'allais dire, il les lit. Il les lit. La dernière fois, il faisait un live amour, je sais pas trop quoi. Je crois qu'il s'est fait larguer ou il a rompu avec sa copine, je sais pas dans quel sens ça s'est fait. Mais il avait l'air triste, le pauvre. Mais bon, il y a de plus en plus de gens pas faciles à suivre. C'est ça en fait, quand il y a trop de gens, moi j'ai la flemme de discuter. Alors des fois, quand la personne dit des choses qui m'intéressent, par exemple sur Nomikai TV, j'aime bien cette chaîne parce que des fois il fait des lives sur, au Japon et il se balade le matin pour aller au boulot et tout, je trouve ça super intéressant. Mais sinon. J'aime bien aussi quand ils font des styles talk show et qu'ils discutent entre eux. Mais je parle jamais, quoi. Parce que, bah, déjà, quand ils discutent entre eux... Attendez. Ok, c'est pour ça. Quand ils discutent entre eux, déjà, ils lisent pas spécialement les commentaires. Et après, ça va se perdre dans une marée de commentaires. Je dis, oh, la flemme. Clairement, la flemme. Mais voilà, quand il n'y a pas grand monde qui discute, j'aime bien parler. Mais après, chacun fait comme il veut. Soit ça, soit les 7 personnes qui sont là sont des bots. Sauf Yobrox, Z-Tai et Porodé. Eux, je sais que c'est pas des bots. Je suis pareil, c'est pour ça que j'aime aussi être sur des lives avec pas beaucoup de monde. Je préfère des lives avec 10-15 personnes où il y a vraiment une interactivité avec à double sens. Oui, c'est sûr, je trouve ça mieux. Après, c'est bien quand t'arrives à être Twitcher et que tu commences à avoir tellement de monde que bah, finalement t'arrives plus à avoir limite les commentaires. Mais c'est bien aussi de pouvoir discuter, je trouve ça cool. Après voilà, moi je suis content. Moi en fait, à partir du moment qu'il y a des gens qui discutent, c'est, bah, ça va. Mais c'est vrai que quand t'es tout seul, bah, c'est un peu déprimant. Par exemple, la dernière fois, je faisais un live sur jeux vidéo. J'étais toute seule. Mais ça va encore, parce que jeux vidéo, t'es toute seule, mais tu joues. Donc au pire, c'est pas trop grave. Mais quand je faisais mes cours et que j'étais toute seule, ça me saoulait, quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais voilà, quand tu donnes cours et que bah, y a personne qui te répond en face, t'es en mode... Bah ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? T'as pas envie vraiment de continuer à faire un cours, quoi. Alors que quand tu joues aux jeux vidéo, il n'y a personne, bah, c'est pas grave, tu continues à faire ta meilleure live de jeux vidéo, et puis, t'en fous. En parlant de ça, je crois que ce soir, il y a mon mari qui a un raid. Je ferais peut-être un Life is Strange. Ça fait longtemps que je n'ai pas continué. Et comme il raid le mardi et le jeudi. Why not? Twitter, c'était la pire pour moi pour les cours. Ah non, mais c'est pas du tout un reproche, hein, Yobrox, t'inquiète pas, je... Je sais parfaitement que quand toi tu pouvais être là, tu participais énormément, comme Mailleux. Après, vous avez vos vies à côté, vous avez des gamins, c'est. Je comprends parfaitement, c'est pas un souci. Mais voilà, après, faut comprendre aussi que mon envie de donner cours se soit fortement calmée. Enfin, voilà, je me dis par exemple, il y a Candy qui donne des super cours, et elle arrive à être. Avec 30, 40 et tout, et donc, bah écoute. Ça fonctionne pour elle. Je vais pas m'acharner pour moi dans cette voie-là. Coucou Kalinoursa, comment tu vas? Ogenki desu ka? Regarde mon masque, il est presque fini. Est-ce qu'on n'est pas trop content?
Est-ce qu'on ne serait pas trop content? Genre, ça fait un masque déjà. Je suis en train de faire les oreilles. Ah non, c'est pas là-dessus qu'il faut que j'ai failli faire une connerie. Là-dessus. Je suis en mode sous-marin, car au boulot. D'accord, tu fais partie de la team boulot comme Yobrox. Il est cool vraiment. Oui. Sinon, ça va. Trop bien. 113. On va essayer l'autre technique. Ah bah, j'ai pas mis de scotch ici. Ah bah, oui, t'as raison, colle-toi. Son Discord devient illusible par contre, à Candy. Et j'ai vraiment du mal à suivre. Il est trop top, Thomas. Bah après, c'est sûr, plus t'as de monde et plus ça devient compliqué. Mais je trouve qu'elle elle le gère quand même franchement pas mal. Elle essaie de le rendre vachement ludique et tout. Elle s'est donné énormément de moyens pour le faire. J'aurais jamais eu la patience de faire comme elle. Hein. Je suis tout de suite. Mais après, elle veut en faire son métier, elle, de prof. Donc c'est normal. Au contraire, il faut qu'elle reste à fond dans ce qu'elle fait. Et puis voilà, chacun fait son truc. Moi, c'était pas trop pour moi les cours. Qu'est-ce que je te dis? Quand j'aurai... le temps, surtout parce que comme là je suis à fond dans mes révisions, en espérant pouvoir commencer ma formation, j'ai pas non plus énormément le temps de faire des cours. Si jamais j'ai pas la formation, bah je pense que je reprendrai les cours parce que de toute façon, bah, j'aurai plus de temps, clairement. Donc on verra. Mais pour l'instant, j'aime bien faire des petits lives comme ça, chill, papercraft. J'adore faire quelque chose avec mes mains, j'adore... Alors, j'adore dessiner, mais j'ai plus du tout le niveau de dessin. Mais j'adore voilà, dessiner, faire ça. Puis après, je me suis dit, bah écoute, quitte à faire ça, autant le faire en live pour pouvoir discuter avec d'autres personnes, quoi. Plutôt que de le faire. J'oublie que je suis pas toute seule. Pour le faire dans son coin. Ah oui, c'est pas un reproche pour elle. Ah non, je sais que c'était pas un reproche pour elle, hein, t'inquiète pas. Elle fait bien ses cours, c'est chouette pour elle. Ça donne elle se donne vraiment à fond. Ouais, bah vu que ça va être... elle veut que ce soit son métier. Elle est auto-entrepreneur, je crois. Elle veut... elle a déjà créé son bouquin. Non, franchement, c'est génial ce qu'elle fait. En plus de ça, elle fait ça pendant ses études. Donc c'est d'autant plus courageux de sa part. Sachant qu'elle a un mémoire à faire et tout. Des fois, j'envoie des messages, elle fait « Pardon, je suis charrette, je vois pas le temps passer. » Fait trop bien. C'est comme normalement, on est censé continuer notre masque Hania ensemble. Je sais pas trop quand est-ce qu'elle aura le temps. Ah non, 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 ça se décolle, ça, ou pas? Oui, ça décolle. Quoi de beau, sinon, Kalinoursor? En dehors du fait que tu sois au travail. Tu fais quoi comme travail si c'est pas trop indiscret? Hop, voilà. Par contre, Yobrox et Kalinance, vous avez exactement la même couleur de pseudo pour moi. Donc désolé si des fois je me trompe ou je ne vois pas un de vos messages. Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Je ferai comme tout à l'heure l'autre. Ça a plutôt bien tenu. On voit un peu la colle, mais bon, tant pis. Je change ma couleur dans ce cas. Ah, nickel. Nickel, je vois beaucoup mieux là. Par contre, faut pas que je parle, sinon je vais me confondre avec toi. Je dis que des bêtises. Ah non. J'ai enlevé... Oh mon dieu, je suis nulle. J'ai enlevé la colle dessus, ça va.
Celui-là, hop, on en veut pas. Sinon, choisis une couleur pour moi. Bleu. Bleu, il n'y a pas de bleu. Zeta, elle est verte. Et vous, tous les deux, vous étiez violet. Parce que je sais qu'en général, on voit pas toujours les mêmes couleurs en fonction de... chez qui on est. Ok, bon, on va essayer de coller ça là. C'est parti pour faire une petite retouche. Bah, j'étais déjà en bleu. Non, pour moi, t'étais en violet. Donc, tu étais en violet. Bah, ça dépend en fait. Chaque personne voit les trucs différemment. Pas très très pratique cette histoire. Je sais pas si vous voyez, j'essaie de faire un petit peu une colle, de coller un truc là. Ok, ça c'est collé. Maintenant, on essaie d'enlever le scotch par-dessus. Nice. Et maintenant, on colle. Et on reste appuyé. Et on attend. Est en fonction du mode son ou clair aussi. Test de couleur. Là, tu es orange. Orange foncé. Test de couleur 2. T'as pas changé de couleur. Il est déjà midi. Il faut que je bouge dans une demi-heure. On va se dépêcher de terminer parce que là, clairement, je veux le terminer avant la fin de ce live. Bon, je reste comme ça. Ok. Moi, ça me va. Et puis, de toute façon, Kaline, dans ça, elle parle plus. Donc, au pire, tu pouvais rester dans cette couleur avant. Ok, donc j'en étais où? C'était pas du tout celui-là. Ok, alors 113. On a dit qu'on bougeait ça en attendant. Ça prend de la place ce truc. 113, c'est celui-là. Ok. 112. Franchement, ça va, il est pas trop compliqué. Celui-là. J'ai trop envie de faire un Totoro. Il a l'air juste énorme. Mais pour ça, il faudrait que j'achète du papier gris. Parce que clairement, je crois qu'il faut 15 feuilles de papier gris. Et j'en ai que 5. Et lui, je pense qu'il me prendra un petit peu plus de temps. Ah bah voilà, là je l'ai un peu mieux collé déjà. Voilà. Désolée, j'ai pas suivi. Je gère un problème de colis. Pas de soucis, Kalinance. Non, je disais à Yobrox, il avait la même couleur de pseudo que toi. Donc j'arrivais pas à vous différencier dans les messages. Donc il a changé sa couleur. En fait, Zeta, je sais pas si t'as Insta, mais si t'aimes le Japon, comme t'as dit, n'hésite pas à suivre mon compte Instagram. Je parle de plein de points sur le Japon. Il est dessous, si tu swipes vers la fin, en dessous du live, tu verras des posts que je propose sur Insta. Si jamais ça t'intéresse, bien sûr. Ok, c'est bien.
Ah oui, il n'en manque plus que l'arrière de la tête. J'en suis à 24 sur 28. Alors, 24, il se met où? Il se met de ce côté-là. Comme ça. Ok. Ce côté-là, comme ça. On a 6, 7. Pas de quoi pour le lien. Après, s'il t'intéresse pas, t'es pas du tout obligé de le suivre. Mais j'essaye de transmettre des petits points Japon, des petits tips qui peuvent aider les gens qui aiment la culture japonaise ou même ceux qui vont au Japon. Je donne des petits posts sur du vocabulaire qui peuvent être utiles au Japon aussi, si tu vas pour la première fois. Sans pour autant parler la langue, tu peux les utiliser en fait. Pourquoi tu peux pas te tomber, toi? Vous avez même pas idée à quel point c'est satisfaisant de finir un papercraft. C'est un peu comme les melon pan hier que j'ai fait. Après 4 heures de cuisine, te dire ça y est, ils sont finis. Alors qu'à l'origine, la pâte à brioche, elle n'a pas du tout monté. Je me suis dit, ça va être des pierres qu'on va bouffer. Et finalement, bah écoute, non. C'est quand même aéré. Et ils sont bons. Je vais en reprendre. 25! J'imagine à quel point ça est satisfaisant. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça se dégage. Quand t'as passé... je sais pas combien de temps j'ai mis. Je crois que le premier live, j'ai fait 3 heures. Le deuxième... Alors, le premier live, j'ai fait 3 heures parce qu'on m'a fait aussi un peu tilt. Hein. On va pas se mentir. Notre très cher ami Jojo qui débarque de nulle part et qui fait un don de 100 euros comme ça et qui ensuite offre 20 subs, puis refait un don de 200 euros, puis à nouveau offre 20 subs. Je suis désolée, mais une personne normale est obligée de tilt. Tu peux pas ne pas tilt dans ces moments-là. Donc mon cerveau a tilt pendant une heure. Donc je sais pas si on peut officiellement compter. Non, je crois que j'ai mis 4 heures et officiellement j'ai mis 3 heures pour le faire. Parce que je dis... J'ai mis beaucoup trop longtemps à m'en remettre de cette histoire. Mais grâce à lui, je vais pouvoir m'acheter une imprimante. Pour faire encore plus de papercraft. Yay! Yeah. J'ai juste de taille pour ton level. Tout. Ok. Donc ça, ça se met au-dessus de la tête comme ça. Ok, ok, ok. Par contre, plus ça se referme et plus ça devient compliqué de trouver un endroit pour mettre ses mains pour essayer de bien appuyer. Aïe, je vais me faire griffer par le masque. C'est pas très agréable.
pardon. Je donne des coups dans le micro, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Ouh, il est beau, il est beau. Regardez, hop. Ah, ça passe pas avec le casque. Voilà. Enchanté. Bon, par contre, je vois pas ce que je fais. Je sais pas à quoi je ressemble. 26. Il donne bien. Oui. Ok. Donc celui-là, il va se mettre 129 ici. Je vais vous abandonner, je vais manger. Pas de soucis, Calinonce, bon appétit et à bientôt. Matane. Vingt-sept, l'avant-dernier. Ah, il y a un morceau de colle. Non, on dit pas la colle. Désolée si vous voyez plus grand chose, mais on va relever un petit peu. Voilà. Parce que il commence à être gros, donc j'ai du mal à mettre. Ah ouais, le casque d'Iron Man carrément. Coucou Yusei, oui. Moi je fais le casque d'Iron Man. Alors non, c'est pas tout à fait le casque d'Iron Man. J'ai pas bien mis celui-là. Est-ce que la couleur ne te dit pas quelque chose? Ça devient vraiment plus compliqué la fin. Pardon encore pour les coups. War Machine, Iron Man, c'est pareil pour moi. Non, c'est pas War Machine. War Machine, le devant, il est argenté.
Non, je vois pas. Mais c'est le casque de Pepper, la femme de Tony. T'as pas vu le dernier Marvel? Tada. Tu vas le mettre sur ta tête après. Ouais, mais j'ai déjà mis tout à l'heure. Ah pourquoi par contre sur le dernier il a mis des X et des Y. Il n'y a pas de chiffre après 135. Ah je crois que t'es pas obligé de les coller en fait. Tu peux les mettre comme ça, mais si ta tête elle passe pas, tu peux le laisser, comme ça ça peut se relever. Go cosplay. Ah ouais non mais là c'est pas la même chose. Si un jour DT fait une armure complète d'Iron Man en Papercraft, why not, hein, je veux bien essayer de le faire. Mais d'ici là, c'est pas moi qui vais imprimer, qui vais créer les patrons de ça. Je pense que X et Y, ça dépend de la grosseur de ta tête. Ils l'ont pas marqué quelque part? Peut-être tout en haut, c'est marqué. Il me faut engueuler après si je lis pas encore. Marqué. Bon, je sais pas. Je l'ai peut-être vu sur sa vidéo parce qu'en fait il est aussi sur YouTube et il fait des vidéos sur YouTube. Si jamais vous voulez, c'est marqué en dessous. J'ai vu les derniers Avengers et j'avais carrément oublié que la meuf de Tony avait une armure. Mais ouais, elle est ultra badass dedans. Pepper Strike. Ok, on va enlever le casque parce que sinon, pas sûr que ça rentre vraiment. Les lunettes aussi peut-être. Boum! Salut, il y a un tout petit trou juste là, j'arrive à voir plus ou moins ma tête. Salut. Je crois que je peux le coller. Je pense que j'ai la tête suffisamment petite pour le coller. On va essayer, on verra bien. Hein. Pire, je pourrais plus le mettre, tant pis. Alors, comme ça. Iron Chemie. Exactement. Et comme ça. Ah! Ah, il y a des petits pics, genre juste là, qui font tellement mal. Ok, ma tête passe peut-être pas finalement. Bah voilà, t'as un beau casque. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, tu passais. Attends, mais ma caméra, elle est là. Bonjour, bienvenue les amis. Je m'appelle Iron Chemie. Il fait un petit peu chaud là-dedans, je ne pourrai pas durer longtemps. J'ai vraiment un micro-trou. Juste là, là il y a un tout petit trou qui me permet de voir ma tête. Voilà. Ah, il est fini! C'est trop bien. Je suis trop contente. Franchement, il est propre. Hein. Oui.
mérite bien un petit morceau de melon pan. Bon bah voilà, c'est fini pour ce papercraft. C'est cool. Mais quelle heure ? Midi 12 ? Je peux regarder un petit peu comment on peut faire les autres les papers théâtre là. Attendez, on va acheter un peu tout ça. On va aussi enlever la cam face qui sert plus à rien. Parce que deux fois moi, c'est bon. Maintenant on le met sur la tête du chien ou du chat. Bah non, j'aimerais bien garder un peu plus longtemps que 2 minutes après avoir passé autant d'heures dessus. Ce serait sympa. Non, Nali, ne tombez pas. Je faisais ça, par exemple. Après, je la remets. Et boum. Je vois ça. Mais par contre, c'est la caméra de mon ordinateur. Je peux pas vraiment la régler. Voilà. Et moi, je mets ça. Je peux même la remettre là-haut. Voilà. Non, c'est pas réussi finalement. Pardon, hein, j'arrête pas de vous bouger. Voilà. Je peux pas désigner. Ok. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire le Pocket Monster à la papercraft. Tu veux vraiment pas laisser. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ouh! Tout est en japonais! Omote A. Omote. D'accord. Il y a marqué. Ah, on a tout cassé. Il y a marqué Omote. Ah non, pas partout. Omote. Et. Oula. D'accord. En même temps, c'est la famille Evoli. Omote, 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 Omote. Mais je sais pas ce que ça veut dire, Omote. Pourquoi je l'ai pas celui-là? Est-ce qu'il faut de la colle ou un truc dans le genre? Oui, oui, il faut forcément de la colle. Oui, ça peut pas tenir tout seul. Sur les trucs noirs derrière. Oh là là, ça a l'air ultra fragile quand même, cette histoire. Tu commences les évolutions. Non, non, je les commence pas. Je les ouvrais juste pour voir. Pour voir comment ça fonctionne. Ok, il te marque les différents panneaux que t'as. Et après, il te marque où est-ce qu'il faut coller les trucs. Je pense que j'ai juste besoin de colle. Hein. Attends, il y a un captcha code ici.
Ok, non, en fait, le lien, le petit captcha ici, c'est pour acheter d'autres. Trop cool, il y en a plein. Il y a Doraemon. Ah, ils sont trop cool, ces Pokémon-là. Pokémon no Bera Garafuto Kito. Ils sont trop cool, ceux-là. C'est... hop. Ah, allez. Dracaufeu, Tortank et Florizarre. Nymphali Hall. Il est pas dans celui-là, Nymphali. Il est dans l'autre. J'en ai un autre. Là, pour l'instant, c'est les trois basiques, entre guillemets. Voltali, Pyroli et Aquali. Et ils sont trop cool parce qu'en fait, enfin, du moins dans les. Là, les Florizarre et tout. T'as Herbizarre et Bulbizarre à côté. Salamander. J'ai oublié son nom. Carabaf et tout. Non, c'est trop cool. Ils sont à combien? Oh, ils sont trop bien. Ils mettent une petite lumière derrière. Attendez, je vais couper la luminosité de ma caméra si vous allez rien voir. Ils mettent une petite lumière derrière. Mais arrête de changer la focus. Trop cool. Salamèche, Reptincelle, oui exactement, c'est ça que je cherchais. Dracaufeu, meilleur starter, je suis d'accord, mais j'aime Tortank aussi. Il est trop cool Tortank. Arrête de faire la focus sur ma tête. Je déteste Floriza. Tant, il n'y a pas grand monde qui prenait le starter herbe en général, hein. Bon, je pense que je ferai ça jeudi matin. Pas convaincue de tout ce qu'il dit. Il faudrait que je traduise un peu parce que vraiment tout est en japonais et que là il y a pas mal de kanji que je ne connais pas. Donc je me poserai 5 minutes avant et je lirai. Mais voilà en tout cas. Je ne déteste pas mais c'est clairement le moins bien. Mais comme d'hab à chaque fois les starters herbes... Je prenais toujours le starter feu, moi. Parce que c'était la plaie badass. Par contre, je pensais pas que c'était aussi petit. Regardez par rapport à ma main. En même temps, je vois pas à quoi je m'attendais avec une pochette comme ça. Je pensais que ça faisait au moins la taille de la pochette. Pour donner un ordre d'idée, voilà ce que ça fait par rapport à la pochette. Je vais remettre ça là-dedans. J'essaie, il y a pas mal de trucs aussi que j'ai pas ouvert. Attendez, je vais vous montrer. Chumi, on se marie quand tu veux. Oh, c'est gentil, Strike, mais je suis déjà mariée. Désolée. J'ai ça aussi que j'ai toujours pas ouvert. Alors ça, c'est pas besoin d'être construit. J'avais acheté ça au Japon. Et en gros, c'est des Pokéballs où il y a toutes les évolutions dedans. Bakitle, saut 2021. Bah non. C'est dommage, on s'est mariés il y a pas longtemps. On s'est mariés l'année dernière. Je vais attendre un petit peu. Les autres starters, plantes, je l'ai pris au moins une fois. Il n'y a que Florizarre que j'ai jamais pris. Ah ouais? Ils sont où les autres? Ouais, parce que normalement, là, il y a les évolutions, mais il y en a d'autres encore. Ah, oh, ils sont... Ah oh, non, c'est pas eux. Ah ouais? Bah, je vais pas pouvoir les attraper. Ils sont ouh, beaucoup trop hauts. Félicitations. Merci. Mais si vous voulez, je peux vous montrer celui-là. Je vous en montre un et après, j'arrête le live. Parce qu'après, il faut que j'aille. Hop, donc je pense qu'on fera ça jeudi matin à 10h, ceux-là. Et voilà. Alors, on va ouvrir. Ah ouais, quand on a acheté, j'étais là. En fait, ils vendaient la boîte entière. Sauf que quand les boîtes, elles étaient ouvertes, bien souvent, t'avais des... Tu savais pas quel Pokémon t'allais avoir. J'étais en mode, putain, mais t'imagines si j'achète la boîte complète et que finalement, dedans, c'est... C'est pas... C'est, ils sont pas tous différents. Genre, j'aurais trop le seum. Et en dessous, là, il y a marqué « This label confirme set complète. » Et moi, j'étais en mode... Ça veut vraiment dire ça. Ça veut vraiment dire que le set, il est bien complet. On est sûr.
chemise trop petite pour attraper un truc sur l'étagère. Trop petite, ça va, je suis 1m74 quand même. Mon étagère, elle est vraiment très très haute. Alors, t'as dit que c'était lequel ton préféré, you say? Nymphalie. Alors, Nymphalie, c'est lequel? C'est le rose, hein? C'est celui-là? Ah mince, attends. Là, celui-là. Alors, en fait, je te propose d'ouvrir celui-là, mais je suis même pas sûre qu'on sache dans quelle boîte ils sont rangés. En tout cas, ça m'a coûté 3690 yens. Soit 30 euros à peu près. Quoi, tu es plus grande que moi? Bah écoute, faut croire. Pouf, voilà. Vous voyez ce que ça donne ici. Allez, on en ouvre une plus. Plouf, plouf, ça sera toi au bout de 3. 1, 2, 3, toi. Le rose, il est bleu en shiny. Ah ouais? Alors là, vous voyez, comme vous... Je peux pas savoir lequel je vais avoir. Ça fait un an et demi qu'ils sont dans leur toit. Ah ah, raté. Je suis tellement déçue. J'ai vu une boîte rose. J'ai cru que c'était lui. Et en fait, non, c'est pas rose. C'est rose, excusez-moi. C'est rose. Mais c'est Evoli. Il est trop mignon. Je vais manger chemise banana. Les shiny sur bouclier Nymphalie. Je les ai en shiny sur bouclier Nymphalie. Bon app, Yovox. Merci d'être venu. De toute façon, moi aussi, là, je vais bientôt arrêter. J'ouvrais juste ça pour montrer. On peut faire comme ça. Comment ça se tient? Je sais pas. Et donc, voilà, dedans, c'est comme ça. T'es où, t'es là? Et il y a le petit Evoli. Il fait dodo. On va l'ouvrir. J'ouvrirai une boîte à chaque fin de live, comme ça, à chaque fois, une nouvelle ouverture. Le problème, c'est qu'en fait, je les ai pas ouverts parce que je sais pas où les mettre. C'est juste pour ça. J'ai tellement plus de place partout, vous verriez, les étagères sont remplies de figurines pop. Oh, il est trop mignon, il se met comment? Il se met comme ça. Ça gratte mon nez. Il est tombé. Voilà. Donc là après il faut le mettre dedans. Pouic. Pouic. Et voilà. Donc on va essayer de le mettre super, ça maltraite Evoli. Mais non. Non, parce que franchement, moi je veux bien, mais voilà mes étagères. Faudrait que j'enlève une étagère. Genre celle-là par exemple. Non, mais il y a Maui. Il y a elle, elle tient pas. Il y a lui, il tient pas parce que bah ils ont mal été faits. Je vais faire de la place, je vais le mettre là. Et je vais faire de la place et la prochaine fois ils pourront tous être là. Yep. Et autre chose. Allez. Les petites feuilles qui vous montrent tout ce qu'il y a dedans. Et il y a... Ah, il y a un petit bonbon. Comme il y a depuis un an et demi, je vais peut-être pas le manger. Il y a marqué quoi? Gami Owata Gama. J'arrive pas à lire, c'est écrit en trop petit. Gama wa. Ah putain, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. Bon bah voilà. On ouvrira une prochaine. Bah,
Ah non, je dis que c'est après. Ce soir... Non, mais je ferai ça seulement quand, quand je fais des paper tracks. Ce soir, je pense que je vais faire un petit live sur Life is Strange 2. Si jamais vous savez pas quoi faire à partir de 21h et que vous ennuyez, n'hésitez pas à passer. Moi, je vous dis merci en tout cas d'avoir été là avec le masque. Je vous dis à ce soir pour ceux qui seront là pour du live jeu vidéo. Sinon, à jeudi pour ceux qui veulent à nouveau revoir du Papercraft ou plutôt du... Ça va être du Papercraft, là, ça va être du... Paper Theater, du papier théâtre. Merci pour le moment ici. Oui, ils ont sorti un magnifique skin sur Zira. Mais je joue plus trop à LOL en ce moment, Yusei. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Matane.